Bonjour, bienvenue chez American Car City, je suis Aurélie, commerciale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un véhicule un peu spécial. Suivez-moi. Il s'agit d'un véhicule dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Le voici, le tout dernier Dodge Ram, le TRX. C'est un moteur avant tout, un V8 6 litres 2. Je vais vous ouvrir le capot et on va le regarder de plus près. Donc ce moteur, le 6 litres 2, il développe 712 chevaux et un couple de 882. C'est des performances exceptionnelles pour un pick-up. C'est ce qui a fait son succès. Je vous montre d'un peu plus près le fameux T-Rex. Ici, nous avons la représentation du TRX, représenté par le dinosaure T-Rex. J'en profite qu'on soit dans l'aire de livraison, en attente des futurs propriétaires de T-Rex, justement. Voici le panel de couleurs déjà vendu. On a le blanc, on a le noir. Et on a l'édition limitée, 702 exemplaires au monde seulement, ce gris particulier qui fait partie de l'édition limitée. Maintenant qu'on a parlé de ses couleurs, on va parler de ses dimensions hors normes. Alors avant tout, que les choses soient claires, c'est pas moi qui suis petite, c'est lui qui est énorme. En largeur, il fait 2,23 m. En longueur totale, on va avoir 5,91 m. Hauteur carrosserie, 2,05 m. Et si vous avez le rambar comme ici, il faut compter 2,17 m. À quoi on reconnaît aussi le TRX? C'est à son capot avec ses prises d'air avant assez imposantes et son pack graphique TRX que vous avez sur le capot et de chaque côté des ailes. Maintenant, on va voir la benne. À l'intérieur de la benne, on retrouve une protection faite en spray antidérapante que vous pouvez aussi avoir comme protection extérieure au niveau de vos peintures pour les protéger des rayures en cas de conditions extrêmes. C'est la peinture Raptor qui est disponible dans la carrosserie American Car City. Ici, on retrouve deux sorties d'échappement avec un embout plus important qui va développer un bruit plus joli, plus intense. L'attelage qui est fourni avec une prise 13 broches homologuée en France et des crochets arrière si vous avez besoin de tracter. Le TRX est monté sur du 18 pouces
Vous retrouvez ici les suspensions Glisten haute performance qui va pouvoir amortir les chocs, quelle que soit votre utilisation. Maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur, je vais vous montrer l'intérieur, la couleur particulière du TRX Launch Edition qui est en biton. La petite particularité, ici on retrouve l'emblème Dodge, la tête de bélier, qui est siglée en rouge. On va retrouver les surpiqûres au niveau des sièges, des montants de porte, du tableau de bord, pour faire un petit rappel subtil du noir et rouge. Je vais monter à l'intérieur et vous montrer un peu plus en détail les options du TRX. Donc ici, on va retrouver l'Alcantara au niveau de l'accoudoir central. Également sur le haut du tableau de bord, toujours les surpiqûres, la plaque édition limitée avec le numéro de série, donc ça c'est secret défense. Là on a le pommeau qui avait disparu sur les anciens Dodge Ram. Là on retrouve donc le pommeau de vitesse, les finitions en carbone, que ce soit le vide-poche et la boîte à gants, toujours dans un détail de finition. On retrouve au niveau des portières l'emblème Armand Cardon pour la Sono avec 19 haut-parleurs, où on retrouve également les finitions rouges. On retrouve également les palettes au volant. Comme sur le Limited, au niveau des équipements haut de gamme, on va retrouver le système anti-collision ici. Vous avez le détection de franchissement de ligne blanche, et ce qui fait sa grande force, c'est ses modes de conduite. Je vais vous montrer. Ici, vous allez pouvoir faire défiler les modes de conduite que vous souhaitez utiliser. Vous avez également la fonction Launch qui va vous permettre de faire les départs arrêtés. Par contre, il faudra atteindre un certain niveau, un certain nombre de kilomètres du véhicule pour exploiter toutes les performances de ce véhicule. Maintenant, au niveau de l'écran central, on retrouve les mêmes fonctions que sur le Dodge Ram Limited. Donc, la Sono, les sièges chauffants, ventilés, volant chauffant, caméra 360, caméra avant pour le franchissement, la climatisation bizone, donc que vous pouvez gérer de façon tactile ou manuelle. Les applications générales, le GPS Europe qui est également tactile. Vous pouvez le compartimenter en deux cadrans pour pouvoir exploiter par exemple le GPS et la musique. Si vous souhaitez inverser l'ordre de priorité de vos écrans, il vous suffit d'appuyer ici pour inverser. Vous décidez de repasser sur le grand écran, vous rappuyez sur la petite maison et vous repassez sur l'écran principal. Les fonctions du téléphone. Et là, la possibilité d'avoir le raccourci pour la caméra arrière. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer comment y mettre la caméra 360 dans vos favoris. Vous allez sur votre application,
Vous choisissez le logo que vous voulez et vous allez la faire glisser là où vous souhaitez la positionner. On retrouve une multitude de rangements dans l'habitacle. Ici, vous avez un premier rangement, puis un deuxième. Vous avez le porte-gobelet ici et ici. De ce côté-là, on va avoir le chargeur à induction. Il vous suffit de bloquer votre téléphone, pour les téléphones qui sont équipés de cette option, pour charger en direct votre téléphone. On retrouve des ports USB à chargement rapide, à l'avant et à l'arrière. Ici, on a la nouvelle option 2021 avec la caméra intégrée dans le rétroviseur. Il vous suffit d'appuyer sur le clapet pour avoir la vision de la caméra arrière. Vous pouvez, à ce moment-là, avec les boutons, gérer la luminosité. En appuyant, vous allez pouvoir gérer la hauteur. Vous reclipsez, vous repassez avec le rétroviseur normal. Ici, vous avez les fonctions pour pouvoir ouvrir la lunette arrière, la toile pour préserver vos cuirs quand il fait chaud, l'ouverture du soufflet pour ne pas avoir trop d'air, surtout quand vous roulez vite, et l'ouverture du premier panneau. Si vous souhaitez ouvrir le hayon de l'intérieur, soit vous utilisez votre télécommande, soit vous avez le raccourci ici par le bouton. Bon, maintenant, le plus important, vous voulez entendre le bruit magique du V8 6 litres 2 qui développe 712 chevaux? C'est parti! Maintenant, si vous souhaitez rouler en T-Rex, vous savez où le trouver, chez American Car City Paris ou Lyon. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, voir les actualités, les arrivages en temps réel et nous retrouver sur le site internet americancarcity.fr. Je vous dis à très bientôt.